matin à tous. Moi salue tout José Lexido, un jeune garçon moi m'entendez. Ouais. Moi salue Louko même si me pas attendez dans studio là. Même quoi il quelque part là participer quand même dans l'émission. Puisque son acteur principal dans cadre matin débat. Nous saluons le pays là malgré situation difficile. Nous saluons toute population. Bon. Il limite les litiges. Nous tiens à ce que nous. Monsieur le récepteur et député. Porter toutes condoléances, nous, bah, la famille présidentielle, et spécialement Timoun, président Jovenel Moïse, ses enfants, et sa femme qui, lui-même, tout la prend soin dans le pays les États-Unis par rapport avec l'attentat, ça. Maintenant, je connais sur la radio ou bien sur un des chemins où tu as fait un petit. Oui, je me des feedbacks là. Je vais regarder si je vais gérer ça. Eh bien, ok. Et là. Oui. Okay, on allait. Allô? Oui, on allait. C'est très oui. Bien. Oui, nous te dit inlimine l'élitisme. Nous portons tout support nous, by la famille présidentielle. Et toutes ces parties nous, condoléances nous, by Mounio, dans la musique où, ça qui passe là. Le concerne tout haïtien. À la vérité, même si on n'a pas gagné même idéologie, nous n'avons pas de bagaille, même j'en suis le plan politique, mais étant donné que le président Jovenel Moïse, même si pour un pile monde, le mandat est fini depuis 7 février 2021, moi-même, c'est position tout, moi, le mandat est fini depuis 7 février 2021, mais de fait, il était mon président, dans la mesure où il n'a pas été remplacé. Eh bien, nous croyons que les assassinés, non, circonstances les assassinés, et les n'attendent des juges de PA, eh bien, par rapport avec constat là, nous croyons son balai qui est horrible, ouais, qui est horrible, et ça doit indigner tout haïtien. Tout haïtien, même si, ou pas, ouais, bagay, ou même gens sur le plan politique. Encore une fois, nous disons tout peuple haïtien courage, tout fanatique président Jovenel Moïse courage, parce que ça passe là, nous-mêmes comme avocats, nous croyons qu'il est important pour que toutes les autorités du pays, les autorités sécuritaires, eh bien pour faire tout ça capable pour que la lumière définitivement soit faite, non seulement sous Kassa, mais sous tout l'autre cas, côté en plus l'autre monde est assassiné. Là, je ne voulais pas les bâtonniers, mon feuillet d'Oval. Je ne voulais pas les deux journalistes qui sont morts la semaine passée. Je ne voulais pas les deux Diego Charles. Je ne voulais pas les deux Marie-Antoinette Duclerc. Je ne voulais pas les deux massacres La Saline. Tout le monde ça a mérité joindre justice au même titre que le président Jovenel Moïse. Dans la mesure où, sur le plan humain, tout le monde doit joindre justice. Yeah. Yep. Oui. Yep. Maintenant, mon cher, je souhaite à ce que la famille a recevoir ou bien le pays a recevoir et mots d'encouragement et sympathie. Ou. Et, oui. Mais étant comme avocat, tu as un problème. Et c'est surtout homme de loi, au moins, ouais, qu'après là, t'es ça. C'est la question de Premier ministre AI, Claude, et nouveau Premier ministre nommé Dr. Ariel. Oui. Qui ça et d'après vous-même, c'est pas d'après vous-même, qui ça t'a dû faire, qui ça doit faire selon la loi. Bon. Sincèrement, je vais commencer comme ça. Puis matin à toutes, ou même qui sont anciens députés, même si vous n'êtes pas avocat, mais on comprend la loi. Et que mon quoi Roger Lexido, ils sont étudiants en droit, ils comprennent la loi, ils comprennent un bon bagaille. Situation que la journée aujourd'hui a, ils pas bon réponse légale à la vérité. Ils pas bon réponse légale dans la mesure où, eh bien, toute provision la loi fait yo, pas gen un qui capable d'appliquer. M'a rappelé pour tout le monde qui attend de nous. Maître Lorenel, lui, nous parlons spécialiste en droit constitutionnel. Mais nous sommes spécialistes en droit public puisque nous
c'est spécialiste en droit international de l'environnement et nous enseignons pour ça à la faculté du droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Ça veut dire que ça nous parle de là, nous pas quoi c'est l'évangile, n'importe l'autre théoricien et spécialiste capable et bah opinion par eux, mais nous quoi que j'en nous dit là. Est-ce que situation on a vu aujourd'hui là, il y a une réponse légale? On nous garde que PMAI, Claude Joseph, à la vérité, il n'y a pas de jambes de PM sur le plan du droit. Sur le plan du droit, est-ce qu'elle était un PM, elle était remplacée, eh bien, Premier ministre Joseph Jout, qui lui-même était un premier ministre, et que il était là exclusivement pour 30 jours. PM Joseph était là seulement pour 30 jours. Oui, ça c'est clair. La constitution. Oui, oui, ça. Pas ça? Oui, c'est la constitution, mais ou dit un premier bagaille, il n'est pas ton PM, parce que normalement, même il était dans le gouvernement et premier ministre Jout qui n'est pas passé devant le Parlement. Non. Effectivement, on a fait plusieurs considérations. Oui. Les moins dit n'est pas de jambes au PM, c'est par rapport, eh bien, depuis 30 jours à tes fins passées, toute reste prolongation ou sinon renouvellement pour l'autre 30 jours encore président de Bali, il était illégal. Il était illégal dans la mesure où il était passé 30 jours comme premier ministre. Nous venons trouver une situation qu'on est là, libre. Il passe plus que 30 jours et que lui renouvelle de temps en temps. Pendant ce temps, Kounia là, la consultation est engagée pour notre premier ministre. Eh bien, qui nommé, c'est vrai qu'il n'est pas investi dans ses fonctions, mais à la vérité, lui nommé, lui gagné, yon bout de légitimité dans la mesure où les nommés. Et bien, bon, l'autre balai, le parallélisme des formes des actes administratifs. Décret qui nomme Premier ministre Ariel, docteur Ariel Henry, à la vérité, les éliminer, ou sinon les révoquer. Automatique. Décret qui était nommé PMAIA. Oui, automatique. Là, nous avons parlé de Claude Joseph, oui. Automatique. Oui, automatique. Ok? Si qu'on y a là, eh bien, gagné en confusion, est-ce que c'est docteur Ariel Henry qui t'a dit premier ministre? Est-ce que c'est PMAI Claude Joseph qui t'a dit? À la vérité, il y a un problème là. Mais pas oublier, nous te dit préalablement, pas gagner une solution de droit, ou sinon une solution légale par rapport à ça, n'a pas vivre là, puisque, en matière de droit public, une autorité ou sinon fonctionnaire qui pas investi dans le pouvoir. Mais, bon problème, puisqu'il pas investi, l'unité au premier ministre nommé, et en même temps, décret qui sorti à tous les révoqués, décret qui est nommé PMAIA, gros l'autre problème encore. Ça veut dire que, est-ce que là, et pour Joseph Capabrité, et Ariel Henry Capabrité, là, nous-mêmes comme avocat, nous croyons que là, c'est consensus seulement capable de joindre. Là, nous croyons que c'est consensus, et nous te dit préalablement, pas de bonne solution légale. Dans la mesure où nous sommes détaillés là, nous prenons ce consensus. Mais nous prenons faire votre considération qui pillage. Ok. Par rapport avec considération ça à nous faire là. L'autre considération nous prenons faire là. Est-ce que à la vérité, dans la situation nous y est là, capable de gagner premier ministre? Pas qu'à gagner premier ministre même. Ok. Pas qu'à gagner premier ministre même. Okay. Pour quelle raison? Parce que nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle la faillite de l'état de droit. N'a pas assisté à la faillite de l'état de droit là.
État de droit, qui ça qui est un État? Pour le pays d'Haïti, l'État est composé de trois pouvoirs, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Quand on a parlé ensemble avec vous là, on consort dit là, puis matin à tout, c'est seul pouvoir législatif là qui gonti bout la donne. N'est-ce pas? Oui. C'est seul pouvoir législatif là qui gonti bout la donne, qui gagne quoi quelques sénateurs, l'on tiers, mais ou pas qu'à parler de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, article 149 là, dans la Constitution amendée, ou pas qu'à appliquer. C'est vrai que PMAIA, Claude Joseph, eh bien, libre d'article ça, pensant que, eh bien, il est capable d'appliquer dans la situation, mais il n'est pas capable d'appliquer dans la situation de la mesure où c'est pas seulement pour le paragraphe là, pour lui, mais c'est pour lui article là, dans son entièreté. Mm-hmm. Lui article là, dans son entièreté, eh bien, l'Assemblée nationale là, t'as gagné Wally pour le jouer. Alors que vous n'avez pas parlé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, tout le monde qui attend les profanes l'Assemblée nationale là, c'est non seulement les sénateurs, l'Assemblée des sénateurs, et aussi les députés. C'est la rencontre ou l'harmonisation de ces deux assemblées dans des situations exceptionnelles qui va l'Assemblée nationale là, nous parlons là, en d'autres termes, 149 là, pas cap marché. Mais nous parlons plus loin. Là, nous ne disons pas qu'il y a un premier ministre du tout. Hein, c'est dans la mesure où il n'y a pas de parlement. Si il n'y a pas de parlement, qui est-ce qui doit bailler un premier ministre ou sinon la République qui a un budget? Eh bien, pas de ou pas de c'est le parlement. Mm-hmm. Est-ce que le parlement est capable de bailler un budget? Pas de ni. Non, pouvoir exécutif, et bien qui gagne deux têtes là-dedans, la présidence et la primature, et bien question budget est fondamentale pour le bon fonctionnement de la République, mais c'est le pouvoir législatif qui doit bailler le budget à pas gagner ni. En d'autres termes, premier ministre là, les ministres en général, et bien, ils ont pour rendre compte, pas eux même encore au gain pour rendre compte. En d'autres termes, c'est pas eux pour être sur un budget encore, mais c'est le pouvoir législatif qui n'est pas gagné ni. En d'autres termes, pas cap gagné le premier ministre devant qui est il prend ou est devable. Pas devant qui il prend ou est devable. Nous croyons que ça c'est un problème. Nous même nous croyons que à la vérité problème qui posé à là au regard du droit pas gagner solution dans la mesure où qui pour prendre constitution 1987 là version qui par amendée à nous veut parler de version créole là lui même lui fait appel exclusivement à la Cour de cassation à la Cour de cassation mais à la vérité côté n'a parlé là nous connaît situation là mettre là juge là tout entier aujourd'hui là mettre le Renel. Oui. Oui. Bon, petit seconde pour me faire une lecture sur l'article 149 là, version créole. Oui. Mais il dit comme ça. Si en cas, place président vin vide, pour n'importe qui raison, c'est président tribunal cassation hein, qui montait président provisoire république là. Oui. Si place président tribunal cassation en vide, a veut dire si président tribunal cassation en vide il dit c'est vice-président tribunal cassation qui montait et si place oui. Vice-président vide c'est juge qui pi ancien comme juge tribunal cassation qui pour monter maintenant est-ce que qu'on y a là nous doit la cassation pour nous est-ce que place président vide selon constitution est-ce que vice-président pas existé. Et qu'on y a ces six vice-présidents pour nous dans le pays ancien. Est-ce que tous les trois, ça n'a pas existé? Bon, là, c'est une approche. Ça, c'est une approche ou fait. Non, c'est la Constitution. Oui. Parce que quand on a parlé avant là, il y a des articles 149, puis il y a un tête à tout. C'est là le problème qu'on a posé, oui. Bien sûr que l'on sort Lili, mais bon, l'autre article 149 encore, qui dit, souvenez-vous qu'il y a un bon lecture. En allez non.
en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente, dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir, a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Dernier paragraphe. Allez-nous. Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. Cela dit que gagner là, À la vérité, qui tout prend version qui pas amendé, c'est-à-dire version créole là, eh bien, c'est consensus foulier. Oui, mais écoutez, sans seule la constitution gagne, je ne sais pas pourquoi ça nous dit constitution amendée. Constitution en deux langues. Voilà. Non, mais chaque. Mais ça me le dit. Non, c'est pas qu'on s'allie. Non, mais c'est José qui se parle. José l'Occident capable d'accord ensemble avec moi pour que, eh bien, on est capable de dire constitution amendée à 100%, il faut que l'amendement. Eh bien, soit fait dans les deux langues, séparément. Séparément. C'est pas qu'il fait amendement dans la version française et vous traduit l'après. Non. La version créole, c'est pas une traduction de version et française. C'est la version créole là qui doit amender. Oui, et la version française là qui doit amender. Au même titre que la version française. Moi, j'ai la Constitution République d'Haïti 87. Et bien, moi, je vais appeler pour là. Ouais, ou soit lire version française là. Je vais lire version française. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou, à son défaut, le vice-président de cette Cour ou, à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite, par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de président de la République par l'Assemblée nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Bon, on suppose, Pierre-Martin Tatou, on suppose, eh bien, nous t'a